and opened up the way. Coucou, coucou. Alors, vous n'avez pas de son? Ah, zut, j'avais coupé le son. Alors, on recommence. Bon, vous avez vu les informations, donc je vous souhaite la bienvenue sur mon atelier créatif. Aujourd'hui, on va scraper ensemble. Je me suis présentée, je ne vais peut-être pas me représenter, tant pis. Vous avez vu le screenshot où vous pouvez me retrouver. Nous sommes ensemble aujourd'hui, eh bien, à la fois sur YouTube et sur Facebook. Donc, ça y est, c'est résolu pour le son. Normalement, vous m'entendez. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement. C'est moi, j'avais coupé le micro, c'était pas vous, c'était moi. Voilà. Alors, oui, je sais que c'est bon, ça y est. Voilà, j'avais coupé le micro, désolée, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'étais pas bien réveillée ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement. Et ce matin, nous allons scraper ensemble. Alors, regardez un petit peu ce que je vous propose ce matin. C'est une petite maison pour les oiseaux. Je sais pas vous, mais moi, dans mon jardin, j'aime bien leur mettre des petites maisonnettes, que ce soit avec un peu de nourriture ou de l'eau, mais aussi des maisonnettes pour qu'elles puissent notamment venir faire leur bébé, les petites mamans oiseaux. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons donc faire une petite carte qui a une forme de maisonnette pour les oiseaux. Regardez un petit peu comment c'est sympa. Vous allez voir, ce n'est que du pliage. Voilà. Donc, normalement, rien de bien compliqué. Hello, hello à toutes celles et toutes ceux qui nous rejoignent. Je vois que c'est bon. Oui, Michel, tu te disais forcément plus de son. Ben oui, ben c'était moi, tu vois, j'avais pas mis le micro. Ça arrive, voilà. Et donc, pour l'intérieur de la carte, soit vous allez l'embellir, soit vous pourrez y mettre du texte sans aucun souci. Alors, je reviens avec vous, j'ai quelques informations cette semaine également à vous donner. Alors, on va commencer par la première information. Vous le savez, nous sommes rentrés dans le deuxième mois de la Celebration. Elle va durer jusqu'au 31 août, cette Celebration. Vous pouvez avoir donc des cadeaux que vous choisissez dans la petite brochure que vous avez reçue par tranche de 60 euros d'achat. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer tout de suite après ce slide d'autres produits. Vous pouvez avoir un set de tampons supplémentaires mis automatiquement dans votre colis avec les commandes de 375 euros
Et plus, n'hésitez pas à vous regrouper entre vous si vous souhaitez faire une plus grosse commande, ça peut être l'occasion, et comme ça, avoir un set de tampons que vous pouvez vous partager à plusieurs entre copains ou copines. Voilà. Nous allons également profiter de cette célébration pour vous faire un superbe cadeau, puisque vous le savez, tout au long de l'année, le kit pour vous lancer en tant que démonstrateur ou démonstratrice est à 129 €. Ça ne bouge pas. Vous choisissez comme d'habitude pour 175 € de produits dans les catalogues en vigueur. Et en plus, durant la période de la Celebration, Stampin' Up! Vous fait un cadeau magnifique avec un superbe agenda, des carnets et un set de tampons exclusif que vous ne retrouverez pas ailleurs. Voilà. Vous allez également, je vous disais que la Celebration, eh bien, vous avez une deuxième brochure, un deuxième flyer que je vous ai mis notamment sur mon blog et je vous le remettrai aussi dans l'article de ce jour. Vous allez avoir des nouveaux produits, des catalogues en vigueur qui sont offerts en tant que cadeau de la Celebration. C'est le moment ou jamais de vous faire plaisir, moi je trouve. Vous allez retrouver notamment des plioirs à gaufrage, vous allez retrouver aussi beaucoup beaucoup de dailles, vous allez retrouver des papiers un petit peu différents, des papiers lustrés qui sont juste magnifiques. Donc faites-vous plaisir si c'était des produits, notamment des nouveaux catalogues que vous aviez envie d'avoir. N'hésitez surtout pas, c'est le moment ou jamais. Alors, autre information, vous le savez, je vous propose une offre spéciale qui n'engage que moi, pas la société Stampin' Up! Ni les autres démonstratrices. Je vous ai concocté un petit kit d'embossage qui a l'air de bien bien plaire vu le nombre de commandes que j'ai eues. Un kit d'embossage complet. Donc vous savez que dans le mini catalogue, on a un mini kit d'embossage. Eh bien moi, je vous le complète avec notamment 3 poudres à embosser, l'encre qui va bien qui s'appelle la Versamark et sa recharge. Et si vous le souhaitez en plus, vous pouvez même rajouter le pistolet chauffant. L'offre que je vous propose, eh bien, c'est que cet ensemble qui est vendu dans les catalogues à l'unité, vous pouvez faire exactement le même kit, eh bien, moi, je vous propose de l'obtenir avec une réduction de 10%. D'accord ? C'est pour ça que je dis que ça n'engage que moi, puisque c'est un cadeau que je vous fais. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le blog. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'on a pas mal de petits messages. Autre information aussi importante, retenez si vous le pouvez votre samedi 20 août et votre dimanche 21 août, puisque je vous propose des portes ouvertes virtuelles pour découvrir avec moi le mini catalogue d'une manière un petit peu différente. Vous le savez, je vous prépare énormément de créations, je suis en pleine création en ce moment justement pour ces portes ouvertes et bien du coup je vous montrerai un petit peu ces créations, je vous montrerai un peu aussi l'utilisation de certains produits, ce qui vous permettra peut-être aussi de faire votre choix en ayant vu déjà des créations avec moi tout simplement. Voilà, alors coucou Emma. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Je regarde dans les informations que je vous avais préparées si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non, je crois que je vous ai absolument tout dit. Alors, vous êtes prêtes? On y va? C'est bon? Les portes ouvertes, oui, je sais, Evelyne, que tu es impatiente de voir ces portes ouvertes. Ah, on a Cindy de l'île Maurice, coucou, je suis trop contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes prêts? C'est bon? Alors, comment ça se passe un live avec moi pour celles qui ne connaissent pas? Donc, je vais tout simplement basculer ma caméra sur mes mains. Comme ça, vous allez me voir travailler. Je vais vous présenter aussi à l'écran des schémas de découpe et de pliage, d'accord, pour que ce soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à prendre en photo votre écran peut-être pour avoir, si vous le faites en même temps, pour avoir notamment les schémas sous les yeux. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, juste après le live, je vous mets tout simplement eh bien, l'ensemble de ces schémas ainsi que la vidéo directement sur mon blog dans la demi-heure qui suit en règle générale. Et vous avez comme ça toutes les informations, vous pouvez enregistrer les schémas pour pouvoir le faire eh bien, quand vous souhaitez. Voilà.
Hop. Coucou Marie-France. Ah, je suis contente, j'allais t'appeler justement. Ah bien, génial. Bon, ben, je suis très très contente. Alors, c'est bon, on y va? Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? C'est parti. Alors, je bascule la caméra. Voilà. Normalement, vous voyez maintenant mes petites mains et on va voir ensemble le projet que l'on va faire aujourd'hui. Donc, vous le voyez, c'est une petite carte en forme de maisonnette, d'accord? Avec, eh bien, tout simplement, hein, puisqu'on parle d'oiseaux, forcément, j'ai travaillé avec notre lot oiseau mélodieux. Voilà. Agnès, t'as encore fait ton lapin en retard. T'es toujours dans le pays d'Alice. Ça me fait rire. Et regardez, lorsqu'on ouvre cette carte, en fait, vous découvrez ici donc un espace. Soit vous l'utilisez comme moi pour faire la décoration, ce qui permet d'avoir un dessus-dessous lorsque l'on reçoit notre petite carte. Soit ici, vous décidez tout simplement d'y mettre votre petit texte. Si jamais vous ne souhaitez pas mettre de texte là comme moi, aucun souci, vous avez tout à fait le dos de la carte qui va vous permettre, eh bien, ici d'écrire largement sans aucun souci. Nous avons aussi une jolie découpe, du coup, pour faire cette maisonnette. Vous allez voir que ça n'a rien de bien compliqué à faire. Et eh bien, aujourd'hui, nous allons donc travailler encore avec Oiseau Mélodieux, mais je vais travailler avec un autre coloris. Ici, c'était le Baie des Bermudes. Aujourd'hui, on va travailler en Frésia en fleurs. Et demain, vous verrez la troisième version. Je ne l'ai pas fait avec ce set de tampons, mais avec un autre set de tampons que vous découvrirez donc demain sur mon Instagram. C'est bon? On y va? Allez, oh, j'ai vu qu'il y avait Fabienne de passage. Alors Fabienne, ma belle, je te souhaite un très très bon anniversaire de vive voix. Voilà, aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc profite bien. Alors, je vous présente le premier schéma. Vous allez avoir besoin donc d'une base de cartes. Cette base de cartes, vous allez voir, j'ai fait extrêmement simple dans les mesures aujourd'hui. Nous allons faire une base de cartes qui va être de 28 cm par 12 de large. 28 par 12 de large. Vous allez le plier en deux, donc à 14 cm. D'accord? 28 par 12 de large. Et nous allons plier en deux notre feuille à 12 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. Nous allons prendre ensuite notre règle et nous allons faire des petites marques que je vous ai matérialisées là à l'écran à l'aide notamment des petites flèches. D'accord? Donc, en partant de la pliure centrale, nous allons faire à droite et à gauche des petites marques à 4 cm. Donc, en partant de la pliure centrale, nous faisons à droite et à gauche des petites marques au crayon à papier à 4 cm. Sur la pliure centrale, nous allons également faire une petite marque au crayon à papier au milieu. Donc, c'est facile, ça fait 6 cm. Emmanuel, tu me fais trop rire. Emmanuel, elle passe de Facebook à YouTube et je la revois après de l'autre côté. Elle m'a fait trop rire. Elle est excellente, Emmanuel. Donc voilà mon papier. Donc 28 par 12. Je le plie en deux à 14. D'accord? Donc bien plié en deux. Et ensuite, je vais faire des petites marques au crayon à papier. En partant de ma pliure centrale, à droite, ici, une petite marque à 4 cm et une petite marque à 4 cm à gauche. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ma pliure centrale, 4 cm à droite, 4 cm à gauche. D'accord? Ensuite, nous allons... Coucou Fabienne! Ah, je suis très contente. Mais oui, mais je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, les filles. Vous défilez trop vite sur mon écran. Donc, je vous fais un gros coucou collectif. Et ensuite, sur le pli central, ici, vous allez faire une petite marque à 6 cm. D'accord? Jusque-là, normalement, je ne vous ai pas perdu. Ensuite, ce que l'on va faire, regardez un petit peu, eh bien, nous allons tout simplement marquer nos plis. Donc, on va prendre tout simplement une règle, un plioir, et nous allons marquer nos plis, donc en diagonale. Alors, si vos marques sont bien faites, normalement, tout doit passer par le point central qui est présent donc sur le pli du milieu. D'accord? Allez, je reviens avec vous.
Donc, je prends mon plioir, je me positionne bien ici, voilà, et je fais un premier pli. Donc, n'hésitez pas, hein. Normalement, ici, vous le voyez, je pense qu'à l'écran, ça se voit un petit peu. Je sais que sur le blanc, c'est toujours un peu compliqué. Et ici, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vos plis doivent bien passer par le petit bout central. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, donc on va bien plier notre carte comme ceci. On va plier un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens, comme ceci. D'accord ? Et nous allons également aussi replier, bien marquer le pli central dans les deux sens. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque regardez... Voilà, notre projet est déjà fini. Ah, Fabienne, du coup, tu reviens sur YouTube aussi. Non, mais vous êtes terribles, hein, les filles. Hein. C'est pas possible, hein, ça. Hein. Moi, je vais m'y perdre. Hein, vous voir un coup sur YouTube, un coup sur Facebook, je ne sais plus qui je vois. Qui je vois pas. Voilà. D'accord ? Donc, hop, on rentre en fait ici nos petits triangles, regardez, hop, à l'intérieur. Le fameux pliage que j'appelle le pliage grenouille, que j'aime beaucoup, vous le savez. Et voilà, notre carte est pratiquement faite. Non, je rigole, il y a quand même encore un petit peu de boulot, puisque notamment, il va nous falloir découper ici nos papiers, faire notre trou, la déco, voilà, il y a encore quand même un petit peu de boulot. Alors, je vous montre à ce propos les... papier, voilà. Donc vos papiers, alors vous le voyez directement à l'écran, je vais donc travailler avec la collection Bisous de papillons. Ce sont les papiers là que je vous ai mis, le screenshot que je vous ai mis. Et ces papiers, donc il vous en faut deux morceaux. Alors, soit vous prenez des morceaux identiques, soit des morceaux différents. Il en faudra un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Ces morceaux de papier vont faire 11,5 de large sur 13,5 de haut. 11,5 de large sur 13,5 de haut. D'accord ? Coucou Yannis, t'as oublié le live, mais comment c'est possible ça ? Voilà. Ah, Agnès, t'as pas pu avoir celui de ton jambe pour le plioir en os de tibia. Ah là là, erreur, erreur, erreur. Donc voilà mes papiers. Donc moi, ici, je vais travailler avec la collection Bisous de papillons. Donc il y en aura un qui viendra ici sur le dessus. Et le second, vous voyez, j'ai pris un autre papier que je mettrai à l'intérieur. D'accord ? On va travailler avec des couleurs peps aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je vais vous remontrer le schéma à l'écran puisque nous avons quand même des petites découpes à faire, regardez. Donc, comme tout à l'heure, vous allez faire une petite marque à 4 cm en partant pour le coin droit. Vous descendez, vous faites une marque à 4 cm de chaque côté, à droite et à gauche en partant du haut. Et sur le milieu, où il y a la petite flèche, eh bien, on va diviser notre papier en deux. Alors oui, je sais, ça fait un petit truc un peu bizarre, 5,75, vous inquiétez pas si c'est 1/2 mm, franchement, c'est pas très grave du tout, d'accord? Alors, je vous remontre, je reviens vers vous, moi. Donc, on va faire, je l'ai fait sur ce papier-ci parce que je pense qu'il se voit mieux que si je le fais sur le papier à motif. En partant du coin droit, vous descendez ici et vous faites une petite marque à 4 cm. Vous faites une petite marque de la même manière à 4 cm en partant ici du coin gauche. Et ici, on va marquer le centre de notre papier, ce qui fait 5,75. D'accord ? Voilà. Hop, on va prendre... Alors, si vous vous sentez à l'aise, vous prenez comme moi votre massicot. Si vous vous sentez absolument pas à l'aise, vous tirez vos traits au crayon à papier et vous les découpez ensuite avec une paire de ciseaux. D'accord ? Aucun souci. Faites ce qui est pour vous le plus simple. Voilà. Donc, moi, je vais faire les deux d'un coup. Voilà. Comme ceci. Comme ça, j'ai fait mes deux papiers d'un coup, mais donc vous l'aurez compris, on le fait sur le papier qui ira à l'intérieur et le papier qui ira à l'extérieur. D'accord ? On y va ?
Ensuite, hop, on pense bien à gommer ces petites marques. Voilà, ça ne sert à rien, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et nous allons coller nos papiers ici, donc un sur l'extérieur et l'autre sur l'intérieur. D'accord? Donc c'est parti, on y va, on colle. Alors je vais faire plaisir à Evelyne qui me demande depuis plusieurs lives que j'utilise la colle. Donc on va le faire. Donc pensez toujours, hein, on travaille à plat autant que possible. Donc n'hésitez pas encore à ouvrir votre carte. Vous pouvez sans problème le faire. Vous positionnez votre papier. Hop. Et donc là, ici, j'ai déjà mon extérieur qui commence à prendre forme. On va coller de la même manière le papier sur l'intérieur. Voilà. Hop. Et on colle. Normalement, là, franchement, je ne vous ai pas perdu. C'est quand même assez simple. Aujourd'hui, vous allez voir ça. En fait, c'est plus le montage des décorations, vous allez voir, qui vont nous prendre du temps qu'autre chose. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi imaginer mettre un papier ici, d'accord, sur l'intérieur de votre carte. À vous de voir si vous le souhaitez ou non, puisqu'en fonction, en fait, de la décoration que vous allez mettre là, vous allez peut-être voir ici, eh bien, un peu de décoration. Donc, si vous voulez ici cacher un petit peu, vous pouvez également en mettre un. Moi, pour ma part, je n'en mets pas, d'accord? On ne gomme pas les marques sur le carton blanc. Si, si, mais si, bien sûr. Evelyne, tu as l'œil, ma belle. Oui, 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 on gomme toutes les marques. Heureusement que tu es là, hein, tu vois. J'avais oublié. Voilà, ça y est, plus de marques. Ça te va, Evelyne, comme ça? Alors, on y va. Elle me taquine. Hein. Ensuite, on va devoir faire, donc, qui dit petite maison, on va dire un petit trou pour que nos petits oiseaux rentrent. Et donc, pour cela, je vous propose de travailler avec, hop, nos Fremlitz cercles, d'accord, pyramides de cercles, qui sont à la fois défestonnés et des pleins, d'accord. Donc, vous prenez ceux qui vous intéressent. Certaines feront des petites ouvertures, d'autres préféreront faire des grandes ouvertures. Moi, voilà, j'ai décidé de prendre ça et ça. Et nous allons donc passer ça à notre machine. C'est pour ça que je vous ai fait coller, hein, tout d'abord, hop, votre papier, pour que ce soit plus simple de tout découper en une seule fois. Alors, on y va. Je vais mettre mon papier ici. Je positionne mon die à l'endroit que je souhaite. Là, ça me semble pas mal. Voilà, hop, super. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la table. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi ça marche pas? Ah, j'ai oublié ma... J'ai oublié ma petite plaque. Attendez. Hop. Elle est là. Voilà. Je me disais bien, il manque quelque chose. Allez, c'est parti. Donc, on positionne bien notre die à l'endroit que l'on souhaite. Vous pouvez même le décentrer, hein, en fonction de la décoration que vous souhaitez faire par après dessus. Et je vais pousser la machine parce qu'elle prend quand même beaucoup de place sur ma table. Et voilà, nous avons donc ici, donc ça vous pourrez le garder pour faire une petite décoration. Mais nous avons donc bien notre trou, hop, hop, qui est fait. Regardez, ça commence déjà à prendre forme, d'accord? Alors moi j'aime bien ici mettre en évidence le trou que je fais comme je l'avais fait là. Et pour cela, en fait, je redécoupe une petite corolle que je vais venir ici coller. Alors je vais rester sur du plat, que je vais venir recoller ici tout autour. Pour faire cette petite corolle,
J'ai tout simplement pris le die festonné légèrement plus grand que celui que j'ai utilisé. J'ai pris du papier blanc. J'ai positionné mes deux dies l'un dans l'autre, comme ceci. Et j'ai passé le tout à la machine, ce qui fait que ça m'a découpé non seulement un cercle, bien entendu, dont ça, je m'en servirai comme étiquette pour un autre projet, mais en plus, ça m'a découpé ici la petite corolle. Voilà. Donc ça, ça peut être une petite astuce de décoration qui peut vraiment être super sympa. Moi, j'aime bien quand je fais les trous, justement, rajouter cette petite corolle. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Oh, le diamètre du rond, tu prends celui que tu as. Hein. Franchement, Chantal, voilà. Je ne vous donne pas forcément les tailles parce que ça n'a pas d'importance, en fait. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez chez vous, hein, et de ce que vous voulez faire. Certaines vont faire un rond plus grand, d'autres vont faire un rond plus petit. Donc, prenez ce que vous avez chez vous. Voilà. D'accord? Donc, regardez un petit peu, ça rend quand même bien. Voilà. D'accord? Ensuite, ce que nous allons faire, eh bien, ça va être la décoration. Alors là, vous voyez, j'ai pris bisous de papillon. Donc, du coup, on est plutôt dans des tons. Le sorbet sucré qu'aime tellement Fabienne. On va avoir le fraisier en fleurs. Moi, je suis partie sur du fraisier en fleurs. Alors, pour cela, mon petit oiseau, aujourd'hui, eh bien, voilà, je l'ai donc pris dans la collection Oiseaux mélodieux. Et ici, j'ai donc pris celui-ci. Voilà, que j'ai donc fait en fraisia. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner ici, notre petit oiseau. Et après, on va faire tout le reste, c'est-à-dire toute la petite décoration. Donc, un petit oiseau. Hop. Et demain, vous verrez, j'ai utilisé un autre set de tampons qui n'a rien à voir avec Oiseau Mélodieux pour réaliser ma carte, qui sera pour le coup très, très différente de celle-ci. Coucou Marguerite, oui, je sais, il fait chaud. Il fait chaud chez toi. Voilà. Alors, ce que l'on va faire ensuite, eh bien, on va mettre notre petite branche. D'accord? Donc, on va la glisser comme ceci. N'hésitez pas aussi à mettre des petits points de colle hein, pour fixer ce dont vous avez besoin. Donc, moi, je vais en mettre un ici. C'est juste pour fixer ma petite branche. La petite branche, je vais la mettre comme ça. Je vais la refixer à l'aide d'un autre petit point de colle. Voilà. Et ensuite, je me suis tout simplement amusée avec notre papier nuance du bonheur. Alors, le papier nuance du bonheur, il est juste magique, puisqu'en fait, il y a des feuilles complètes où vous avez dedans toute une gamme de fleurs avec des coloris très, très différents. Et ça tombe bien, dans une des feuilles, il y a notamment du fraisia en fleurs. Alors, c'est le coup de peau parce que j'étais déjà partie sur le fraisia avant de regarder. Et du coup, il me semble, regardez, j'ai juste découpé ici donc les petits motifs qui me plaisaient pour ici réaliser ma petite décoration. Donc, n'hésitez surtout pas à mélanger vos collections de papier entre elles. D'accord? Mais oui, tu peux prendre les canards sans aucun souci. Voilà, on peut le faire avec plein de choses très, très différentes. D'accord? Donc, on va venir positionner ici nos petites fleurs. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce genre de projet, c'est que vous construisez complètement votre petite carte selon vos envies. Donc, regardez, moi, je vais juste la faire comme ça. Du coup, je vais positionner un petit point de colle juste en dessous. Ici, un point de colle là. Voilà. On va positionner nos petits branchages comme ceci. Je trouve ça très pratique, en fait, de pouvoir découper dans le papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, en plus, je trouve que les coloris sont vraiment très, très sympas. On va mettre ici, peut-être, une petite feuille. Ouais, je vais la mettre comme ça. Ça sera plus réaliste. Voilà, un petit peu de colle
Et on va faire comme ceci. Et on va se mettre ici une petite feuille. Et bien voilà, regardez. Parfait. Et celle-ci, pour le coup, pour donner un petit peu de volume, on va la mettre en mousse 3D sur la pointe. Voilà. Regardez un petit peu comme ça. Ça permet d'avoir notre petite maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas vous, mais franchement, moi, j'adore. Voilà. Regardez un petit peu ce que ça donne. Je trouve qu'en plus, en prenant un papier très contrastant sur le fond, ça permet notamment eh bien, faire ressortir ici tous nos motifs. Voilà. Alors ici, là, hop, je vais juste positionner un petit texte. Alors, le petit texte aussi, hein. Hop, je vous remonte le set de tampons, tiens, à côté ici, pendant que je suis en train de faire le montage. Le petit texte, il est donc fait à l'aide de la petite bannière ici, que j'ai fait donc en sable du Sahara. Et après, un des petits textes que j'ai pris, une petite note pour dire merci, qui va venir ici eh bien, être positionnée là-dessus. Alors moi, mes petits oiseaux, ils chantent. Je trouve ça trop joli quand ils chantent. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc du coup, je vais faire l'intérieur comme je l'avais fait sur celle-ci. Voilà. Et on va faire, on va venir positionner hop, nos petites notes de musique. Voilà. Alors, on y va. Donc là, vous les prenez un petit peu au hasard, vos petites notes de musique. Vous les positionnez où vous voulez. N'oubliez pas d'en mettre quand même ici un petit peu au centre, qu'on les voit. Vous voyez, on a vraiment l'impression comme ça que notre petit oiseau chante. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Moi, je ne vais pas en mettre de plus. Je vais me garder la place ici pour pouvoir écrire mon petit texte. Mais regardez, comme ça, ça habille en même temps le fond. Et on a vraiment l'impression que notre petit oiseau chante. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ça vous plaît? Ça vous plaît? C'est sympa hein, comme petite carte. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, franchement. Deux cartes, deux ambiances différentes. Donc là, plutôt avec le baie des Bermudes. Ici, nous sommes partis plutôt avec du Freesia, donc un papier un peu plus présent. Mais du coup, je l'ai complètement adouci avec ces beaux motifs-ci. Et notamment ici, au fond, en mettant un papier beaucoup, beaucoup plus neutre. Voilà. Donc, une deuxième petite carte, ça vous plaît? Voilà, alors je reviens avec vous dans... Voilà, t'es très en retard, Laure. Ah bah oui, Lauriane, t'arrives seulement, ma belle. Voilà, donc ça vous plaît, donc allez-y, amusez-vous à faire des petites maisons. Je pense qu'à mon avis, c'est un petit projet que vous pouvez faire aussi avec les enfants. C'est très simple à faire. Ils adoreront notamment découper les ronds, découper aussi vos papiers avec des fleurs. Si vous n'avez pas les dailles pour les fleurs, je vous remonte le papier. Hein. Franchement, vous pouvez le faire avec des paires de ciseaux. Ça se découpe très, très bien sans aucun souci. D'accord, ces motifs. Donc, n'hésitez pas. Vous avez forcément des papiers où il y a des fleurs dessus. Et demain, vous verrez la troisième carte. Alors, vous la voyez un petit peu là, oui, un petit peu au fond. Je ne vous la montrerai pas plus tout de suite. Vous la découvrirez demain, mais vous verrez, je l'ai fait avec un autre set de tampons. Ça rend vraiment très, très bien aussi. Voilà. Alors, je vous souhaite en tous les cas une très, très belle semaine. Désolée pour le bug du micro au début. Ça devait être comique de me voir parler sans, je regarderai quand même, sans, voilà, bouger les lèvres mais sans son, c'est trop rigolo. Je vous souhaite, eh bien, écouter une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous, eh bien, d'ici à peu près une demi-heure dans le blog où vous retrouverez à la fois donc les schémas, la vidéo, etc. C'est vraiment top. Voilà. Alors, je vous souhaite plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de gros bisous, pardon. Et puis, bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live très différent. Vous allez voir, je vous ai encore préparé d'autres choses.